Donc, dans Teams, il peut arriver qu'on ait des problèmes avec le son. C'est un petit peu le même principe aussi avec l'application Zoom. C'est que ces applications-là vont gérer le son de l'ordinateur de façon indépendante du système. C'est un peu étrange, là, mais lorsqu'on va sélectionner, par exemple, une source sonore, donc en bas ici, on voit que je suis sur mon casque d'écoute, pardon. Si je clique dessus, je pourrais faire en sorte que le son, même si mes écouteurs sont branchés, sorte sur les haut-parleurs de l'ordinateur. Ici, ils s'appellent speakers. Dans la classe, par exemple, souvent ça arrive si vous avez une télévision, les nouvelles télés numériques, ben, on peut tout simplement sélectionner le son pour que l'ordinateur l'envoie au TNI. Donc, on va voir apparaître Smart, patati patata. Ou on va avoir le choix aussi de l'envoyer sur notre ordinateur tout simplement. Donc si par exemple je fais ici je sélectionne mes écouteurs, le système va écouter mes paramètres évidemment. Si je pars une vidéo YouTube, ça va sortir dans mes écouteurs. Étrangement, Teams fait un peu à sa tête. Donc même si ça avait bien paramétré dans la barre des tâches votre sortie haut-parleur. Si jamais vous avez des problèmes, allez juste ici avec les trois petits points à côté de la main. Là. On va dans Paramètres de périphérique. Et là, étrangement, okay, mon système ici est capable de faire en sorte qu'on peut basculer l'audio vers, par exemple, mes haut-parleurs. Et étrangement, si je prends ça ici, Teams ferait jouer mes son que je recevrai lors de ma réunion sur les haut-parleurs de l'ordinateur, même si dans mon système en bas, OK, regardez, je suis encore sur mes écouteurs. Donc, vous voyez la contradiction entre speaker ici et headphone en bas, c'est que Teams, comme je vous le disais, gère de façon indépendante le son. Attention au micro également. Vous voyez ici, il est désactivé et j'ai aussi le choix d'avoir le microphone qui est intégré à l'écran du portable, à côté de la caméra numérique, ou celui qui est avec mon casque d'écoute. Alors, faites attention à ces paramètres-là. Oui, c'est un peu bizarre, c'est un peu tannant, là, mais un coup qu'on le sait, aussitôt que vous avez des problèmes de son, allez voir si Teams a tenu compte des paramètres système que vous avez paramétré juste un petit peu avant. Donc, vous ouvrez votre réunion, trois petits points, et vérifiez que tout est correct.